Disons, c'est une pochade. Mais c'est une pochade qui est faite sur des couvertures de boîtes de cigares. C'est en bois très fin. Et il devait conserver ça. Et alors, une pochade, ça veut dire que ce sont des notes, des annotations qu'on fait. Alors, Borgia habitait à ce moment-là rue Napoléon. La rue Napoléon, elle débouche directement sur le parc La Fontaine. Et puis se retrouver dans un milieu de verdure complète. Alors, il n'y a que de la verdure. Alors, comment trouver ces impressions dans ce monde qui est clos quand même, parce qu'il n'y a pas d'horizon. L'horizon est bouché par les grands arbres, la multitude des arbres, c'est grand, le parc La Fontaine. Et je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, en tout cas, c'était comme ça, c'était de grands arbres. C'était presque une forêt, quoi. Et puis, il en tire quand même des impressions très fortes, à savoir que... rapidement, simplement avec des annotations, il va trouver... J'avais une composition qui est faite de façon, traditionnelle, en ce sens que c'est de la perspective. Hein.